Comme j'ai eu un peu plus de temps, grâce à la maladie, malheureusement, j'ai tourné des trucs dans mon garage. Il y a quelques plans dans le film, ils sont dans mon garage. Évidemment qu'il n'est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Quand j'ai recommencé à jouer le roi Arthur dans ce film-là, c'est dans une configuration totalement inédite. La première partie du tournage jouait Arthur où il dit pas un mot, donc il est à demi là un peu. En revanche, après j'ai enchaîné avec un plan séquence de 6 minutes avec Guenièvre d'un seul coup, ça c'est la première fois qu'il parlait. Donc ça a été suffisamment chaotique et mouvementé pour que je n'ai pas le temps de comprendre ce qui se passait. En fait, il se réveille en même temps que moi, et c'est neuf pour lui et pour moi, tout ça. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie. Le fils Pendragon est de retour. Ah ben qu'ils viennent. Je ne n'ai jamais douté de devoir arriver au cinéma avec une épopée, avec une saga. Et une saga qui accepte tous les grands archétypes d'une saga. Je ne me serais pas privé de quoi que ce soit par la dictature d'être drôle tout le temps ou à tout prix ou de n'entrer dans rien sous prétexte de comédie, ce qui est pas un cadeau à faire à la comédie. La nature des premières saisons est quand même directement inhérente à leur longueur, donc ça n'a pas de sens pour moi un film qui serait fait de ces petits morceaux-là, ça n'a aucune saveur, donc on va pas au cinéma sans raconter d'histoire, on va pas au cinéma sans que l'ambitus de ce que vous racontez soit large, qu'il y ait des vrais bas, des vrais hauts, tout autant que des bêtises qui servent à rien, parce que c'est quand même le cœur de ce que je raconte, mais pour moi les bêtises qui servent à rien, elles cohabitent avec le tragique, elles cohabitent avec... ou l'action, ou la santé, des choses. Donc, j'ai pas réfléchi là-dedans. Il y a des réalisateurs qui nous ont prouvé qu'on pouvait rentrer dans l'action directement, y compris dans des mondes créés. Hein. Vous avez votre premier épisode de Star Wars, boum, ça pète de partout et on sait absolument pas qui est qui. D'une manière générale, j'aime beaucoup cette autorisation de faire confiance aux spectateurs pour raccrocher les wagons. Alors évidemment, faut pas être crypté pour autant. Mais je pense que la meilleure façon de tomber dans un mauvais travers quand on a un film comme ça, qui pourrait mériter des explications parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la série, tout ça. En fait, le pire travers, ce serait que vos acteurs s'occupent d'expliquer. Ça veut dire que c'est plus des répliques, ça veut dire que c'est du sous-texte, ça veut dire que ça sert le scénar et le scénariste et non plus le film. Ils ne peuvent que parler, j'allais dire comme d'habitude, pour ce qu'ils ont à dire, vraiment, et ils n'ont rien à expliquer. Après, 2 heures, c'est vrai que c'est très court. C'est terriblement court pour un film, en plus de ça, d'un héros qui va croiser des castes, comme des groupes, comme ça, épars, parce qu'il y a quand même un road movie dans ce film. Il faut que tout ça tienne, il faut gérer la densité des choses, parce qu'en plus, je suis un garçon qui surdécoupe au montage. Il ne faut pas que la mitraille de cut devienne indigeste. Il y a quelques outils dans le film qui permettent une grammaire filmée un peu plus... comme les flashbacks et tout ça. Donc, j'ai écrit beaucoup plus long. Et il y a eu un gros, gros, gros travail de resserrage. Je n'ai pas tellement de coupes, justement. Il n'y a pas des choses qui sont parties comme ça. Par contre, c'est le ciselage des répliques, et de temps en temps peut-être leur escamotage pour certaines, mais c'est que de la petite broderie qui a permis, tchac, 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 petit à petit, de revenir au rythme. Mais ça a été très, 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 très long. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il n'y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Pour moi, les personnages de comédie, que sont ceux de Kaamelott, qui sont des personnages fragiles, des petits personnages, même trop petits pour ce qu'ils ont à faire. Tout ce qui peut participer à faire grossir le monde autour d'eux va aider cette comédie à prendre forme. Évidemment, les costumes, les décors, la sensation de trajet, les travaux de studio qu'on a fait, tout ça. Et la musique qui est là aussi pour montrer, pour dépeindre un monde périlleux, un monde vaste, un monde ample. Ce qui me va très bien, parce que j'adore écrire cette musique-là. J'aime beaucoup écrire, j'aime écrire plein de trucs, plein de genres, mais la musique symphonique, brute et ample, c'est ce personnage omniscient là, qui a la musique par-dessus, par exemple, voilà, qui explique beaucoup, sans avoir à faire appel à la sémantique ou au texte, ou ça explique par l'émotion plein de choses qui ne sont pas dites en fait. Vous ne savez pas faire ça, entraîner les troupes, les sièges, vous ne faisiez pas avant ça. Ce travail, en fait, il a mis tous les chefs de poste en alerte. Les constructeurs, les couturiers, ceux qui fabriquent des bateaux, ceux qui font... Il y a eu une espèce de très grand chantier comme ça, mais qui est quand même au service des toutes petites choses. C'est quand même... c'est de la comédie au finish, quoi. Personne n'a jamais douté que c'était un gros film. C'est-à-dire qu'en fait, dès le premier jour de préparation, quand on voit le nombre de personnages qu'il va falloir
habillés et qui en plus représentent des castes bien particulières, dans des décors qui ont des couleurs bien particulières et qui se contrastent entre elles, avec ces décors à construire, avec ces machines de guerre à construire, avec tout ça. Tout le monde a compris que, bon, on a du jobby, quoi. On n'est pas en train de tourner un truc dans un appart avec deux sièges, forme contre laquelle j'ai rien, hein. Je suis... Garde à vue, c'est un de mes films préférés, j'ai pas de racisme, hein. Mais c'était pas le... là, c'était pas la mission, quoi. Je pense que là, de toute façon, on serait rentré dans quelque chose d'inédit, pour moi, qui est le gros film par excellence. Et en fait, c'est pas parce que j'ai dit que ça devait en être un. C'est que ça, quand on commence à lire le script et quand on commence à travailler, bon, bah, on sent bien qu'il va y avoir beaucoup de travail partout, quoi. Vous entendez quelque chose ? Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?» Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Je pense que c'est le montage que je préfère. C'est pas parce que vous avez des œufs, de l'huile et du sel que ça fait de la mayonnaise. C'est la partie rassurante où, comme vous vous faites prendre vie à tout ça, que vous lui donnez sa bonne vitesse, où vous vous dites « Ah, tiens, ça marche comme je voulais. » Avant cette étape-là, c'est un petit peu mystérieux. Vous avez plein de choses dans les boîtes, dans les disques durs, tout ça. Vous savez que là, vous avez de la musique, vous êtes allé chercher avec un orchestre, mais je suis un peu plus de nature à aimer les choses casanières, et donc comme je monte chez moi, ce truc où j'ai été à la pêche de plein de trucs, et puis où c'est le moment de les faire fonctionner ensemble. Et puis quand on constate qu'il y a un truc qui ne marche pas comme on voulait, c'est plutôt, c'est plutôt en kikinant. Du coup, comme j'ai eu un peu plus de temps, grâce à la maladie, malheureusement, j'ai tourné des trucs dans mon garage. Il y a quelques plans dans le film, ils sont dans mon garage. Bon, j'ai un garage qui était... Ça allait, quoi. Tout le monde... J'ai un garage roots. Où est Arthur Pendragon ? Bon, on a beaucoup bossé en mix, on a beaucoup bossé en colorimétrie, on a utilisé une caméra à 70 mm numérique, hein, qu'elle a avec sa 65, avec des optiques qu'on a beaucoup appréciées, que Jean-Marie Drejoux, qui nous ont, voilà, c'est des Hasselblad carrossés. On a essayé toutes les caméras du monde sur ce truc. Le jour où je suis arrivé aux essais, il y avait des baloches ouvertes, des cailloux à 80 000 balles comme ça, il y en avait partout. Je me suis dit, mais s'il y a un incendie ou un machin, c'est une catastrophe. On a tout essayé, tout. Et en fait, c'est Alexa 65 qui est sphérique, bizarre, qui est sphérique avec une image unique. Elle est très définie, évidemment, mais en plus de ça, les profondeurs de champ d'un grand capteur comme ça sont assez inédites. Pas être au cinéma pour ça, pas être au cinéma pour ce 7-1 là, qui passe de partout, pour ses basses, pour ses... non, c'est un grand spectacle, ce serait bête de pas y être, ouais. Je pense que la vraie immersion vaut le coup, vraiment, pour celui-là. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ?